La justice valide le licenciement d'un salarié qui utilisait sa voiture de fonction pour faire du covoiturage. Pendant 3 ans, cet employé d'une entreprise de conseil a transporté des passagers via la plateforme Blablacar sur ses trajets professionnels. Plusieurs milliers d'euros de bénéfices pour lui, selon la justice. L'homme qui avait contesté son licenciement au prud'homme a été débouté en appel. Et la décision pourrait faire jurisprudence, explique Jean-Bernard Michel, avocat de l'employeur. La police d'assurance de la société ne couvrait pas les tiers à l'entreprise, encore moins le transport à titre lucratif. Et le site Blablacar mentionne bien dans ses conditions générales qu'en aucun cas, l'activité de covoiturage ne peut être effectuée à but lucratif, mais doit simplement correspondre à une prise en charge partielle à tout le moins des frais. Aucun dossier n'avait été confronté à cette problématique. La Cour d'appel de Rennes a rappelé qu'avant tout, le véhicule de fonction demeurait avant tout un outil professionnel.